Re-YouTube, on est reparti, on retente une run arc, ça améliore un tout petit peu, on a des PV max, on a un peu plus de thunes dès le début. Et on va voir comment ça se passe. Ah ça c'est oui, très fort ça. Si elle fait 100%... Oui, 100% je te armure. Ça c'est trop fort, twin shot c'est fort aussi. Mais je vais prendre le perfect shot. Parce que... On l'avait testé une fois. Oh non, perfect shot c'est quand on fait un... Ah non, mais si c'est que quand on fait un perfect... c'est mort. Je veux pas, non. J'aurais dû prendre le double shot. C'est pas bien grave. Mais je pense pas qu'ils vont nous redonner ce système de start, le marteau, ce qui est très fort. Alors est-ce que le jeu a un peu mal fait? Ah si, c'est exactement le même. Bah c'est power shot. Du coup non, on prend twin shot, clairement. J'ai cru que c'était de tout le temps 100%. Il y en a un où c'est 300% de damage, c'est explosive shot, je crois que c'était ça. Là, on va juste prendre le double shot, parce que les shots forts, là, faut réussir à les caser. Hein. Ça, je fais plus de dégâts avec mes dashs. J'avais oublié ce petit détail. Ok. On va se faire des thunes. Let's go. Let's go to the thunas. Bon, moi qui n'ont pas de points de vie jaune. Ok. Faut mourir. Ah! Ah, c'est un dieu ça! J'ai toujours cru que c'était des thunes! Oh! C'est stronger, FP deflect. Deflect. Ok. On va prendre parce que c'est rare. Et en plus, ça augmente mon spécial. De ce côté. Même si des clés. Non, il aurait dû aller du côté clé parce qu'on a clairement besoin de clés. Mais on s'en remettra. Hein. Bon, si ça fait ce bruit à chaque fois maintenant, ça va être très chiant. J'ai pas eu le deuxième derrière. Bon après, il est complètement con lui. Hein. Lui, il est bourré. Ah, le dieu du vin, le poison. Je veux voir qu'il n'y ait pas des chaos, des trucs comme ça, on fait gaffe. Hein. Le dieu du vin, c'est oui. Je pourrais vous donner une de mes popos, mais ça me ferait chier si j'ai le chaos derrière. Mais encore? Ah oui, là. Vêtements cachés, le Bernard. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Notre bro, lui, c'est notre bro, hein. Oui, c'est, je l'adore. Ah, les attaques infligent du poison. Allez, on va jouer attaque de base. Du coup, on va prendre le poison sur les attaques. Le shop ou bien le choix. Le shop est pas du tout intéressant. On va aller au choix. Il y avait un shop dans le truc. C'est un peu con. Pas assez gaffe. On peut donner une potion à lui aussi. On va prendre des thunes. Il fait combien? Plus 74, c'est ok. Est-ce que je lui donne une popo à lui? Est-ce qu'on lui a déjà donné une popo? Ah merde, je voulais lire mon... Bon bah, de rien. Bon, apparemment, on n'avait jamais fait. Tenu un truc, par contre... Ah, mais c'est... Ok, je me trompe de bouton pour ouvrir le truc. C'était la première fois, du coup, on a le cadeau. Ah, mais on voit, en fait. Où sont les cadeaux? Il y a des petits cadenas. J'avais pas vu encore qu'il y avait des petits cadenas. Intéressant. Enfin, j'imagine que c'est des petits cadenas, ou en tout cas des déblocages de trucs. Si on a un... Ah oui, là par exemple, on voit que c'est cadeau. Ok, d'accord. Si on a un cadeau juste derrière, je vais être deck par contre. D'accord, la pure dégratuité. Heureusement que j'ai pas pris les points de vie. Après, on est déjà full life. Alors soit le chaos, soit l'Artemis. Artemis plutôt.
Ah, il y a le Karus. Alors, je viens de donner ma popo, je suis deg. C'était accidentel. Et c'était pas une popo, hein, j'imagine, la salle. Ça aurait été trop simple. Non, c'était Artemis. Fuck, bon, bah, la Karus, mais fuck, quoi. Ok, ça c'est très très fort. Ah, mais ça va remplacer mon truc. Non. On va prendre les dommages de dash attack. Même si pour le moment on a rien. On va trouver des trucs avec le fur et à mesure. Il y a Karus forcément. Je suis un peu deck par contre de plus avoir la popo. Je me déteste. Ah, ok. Ok. Prendre de nouveau les dégâts d'attaque, hein. Les dégâts de dash. Bah, c'est très très fort. Mais ah ouais, ok. En fait, quand il dit qu'on prend des dégâts, c'est on prend des dégâts à chaque fois. C'est juste que maintenant, faut jouer à autre chose. C'est que jusque là on jouait beaucoup avec ça. On pète les générateurs à crâne, hein, ça devient insane. Insanement compliqué là. On joue spécial parce qu'on n'a pas le choix pour les trois prochaines salles. Hein. À Popo, juste après Karus, bien évidemment. Comme ça, on est bien deg. C'est pas grave, on s'en remettra. Ok, ça c'est très cool. C'est-à-dire qu'on a pas besoin de se taper les ennemis. Avec des gros tas comme ça. Ah, il y a aussi des connards à laser. Bon, ouais, ça va, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Donc là, je me. Ah, ça, par contre, ça va être très problématique. Merci, le fantôme de Hack Life. Il est de retour. Comment ça va, Hack? Merci. C'est pour ton magnifique follow. Incroyable. Il a perdu son compte, il est de retour. Personne ne va nettoyer ça. Je vais bien me faire un max de thunes, hein. Ah ouais, mais j'ai pas le droit à mon attaque, je suis con. Trouve pas mon compte. Oh, la tristesse d'une vie. Pas très très doué, hein. Oh, trop chiant ce truc, j'aurais jamais dû le faire. Ça me rapportait que dalle, je suis sûr. Qu'est-ce qui arrive à ton pauvre téléphone? Oh, 60 pièces, il me craint. Une mine de silence. La silence. Le silence pour le fantôme. Ah d'accord, en fait la salle que je viens de faire, c'était pas considéré comme une salle. Du coup, c'est nul. D'accord, ça touche. D'où ça touche. C'est calmé avec les bombes là, hein, peut-être. Ah là là, il a goûté au sol. Ah, bah un peu trop près apparemment.
Ah. Le retour de Karos, comme ça on pourra claquer la popo vers lui. Pour débloquer le truc qu'on m'a dit qui s'était pété. Et ça c'est cool. Vraiment cool. Elle a goûté au téléphone, un peu trop près, hein. Le mauvais plan, quoi. Toujours pas le droit d'attaquer, hein. Mais on fera avec. Oh, 44p sur une tablette de 2012. Ah là là. Ah ouais, c'est que t'as même plus de téléphone, là. Je croyais que t'avais changé, du coup, mais... Là, c'est carrément le non-téléphone, en fait. Genre d'où ça touche. D'où Bernard. C'est même pas fini. Super, il est arrivé. Il m'a niqué la gueule. Déteste. Ok, pour aller à Chaos, c'est important. Ok, on va rater le power-up, ça fait chier par contre. Ok, à partir de maintenant, on peut utiliser nos attaques normales. Et ça, c'est beau. Bah, dis-toi que t'as au moins une tablette, tu pourrais ne rien avoir. Et c'est mieux que rien. Ouais, on lui donne la popo. Et nous obtenons. Oui, oui, tu es content, c'est bien. L'œil, l'œuf cosmique, qui apparemment est très fort. Et du coup, on peut aller jusqu'à combien? Attends, c'est rien que même sur Google, j'ai trouvé. Non, effectivement, jamais entendu parler non plus. La tablette perdue. Ok. C'est pas ouf, hein. À prendre la Death Défiance, mais c'est pas ouf du tout. Ok, marrons. Ah, on arrive au shop. Pas que c'était possible, ça. Prends les points de vie max. Et on va prendre ça aussi. Est-ce qu'on peut retirer normalement? Et ça, c'est cool. Parce qu'on pouvait pas. On peut plus jouer avec notre poison. Et ça m'embêtait de pas pouvoir jouer avec mon poison. Après, ouais, il me semblait bien qu'on était, on arrive à elle. Genre, ça touche, là. D'où Bernard? Ah, le bon boss du plaisir, quoi. Déjà, c'est qu'on a beaucoup d'augmentation de dégâts de dash, mais on n'a pas de dash pour faire des dégâts, ce qui est très dommage. Et j'ai un nouveau tel. Ah, ok. Ah, elle est trop chiante. Hein. J'ai perdu toutes mes merdes là. Ok, je croyais que c'était fini.
On va mettre la bite. Hein. On l'a tué, mais il est clairement en train de me mettre la bite. Non, pas ça. Ok, ça passe. Ça passe un peu à l'arrache, mais ça passe. Yes. Yes. Pour des vieux points. On va surtout pas se prendre les trappes qui nous faisait beaucoup plus mal avec notre malédiction. On peut se soigner. Chopouné. Oh, faut un exbone, il me tombe. Ah, c'est pas dégueu, hein. Pas dégueu, pas dégueu. Et du coup, c'est quoi l'œuf cosmique? C'est tellement fort le truc de. C'est tellement, tellement fort. S'il y a des Chaos Gates. Je veux beaucoup trop de choses à quand je comprendrai pour aller avec ça. Marche, Wack. Des bisous. Merci d'être passé. À la prochaine. Prochaine, la prochaine. Ben, Ben, biscuit dans ta toi aussi. Tellement zéro DPS, j'ai l'impression. Super. D'accord, je vais me prendre 24 là, on est sérieux? D'accord. Bon, donc on a le poison qui fait un peu des DPS parce que sinon ce serait un enfer. Et je vais reprendre dans la gueule quoi. Je vais même placer dans le genre de. Pour trop de dégâts sur ses ennemis. Et il y en a tellement. Oh non, pas vous! C'est bon, il les a tués. Super des thunes. Ça. Côté double pouvoir, forcément. Double, double pouvoir. Et on prend Artemis en premier. Fort, mais ça remplace son spécial qui actuellement fait un truc assez fort. Ok. Peut-être fort hein, le quick reload. On prend le quick reload. Si on peut jouer casse, ça peut marcher. On a vénère Athéna, mais c'est pas grave. Ça en fait des boucliers random. Ça va être chiant du coup. Mais c'est ok comme combat pour le moment en tout cas. Et là bon, l'autre allait mourir, elle le protège. Coucou. Aïe. Me pousse pas comme ça, c'est chiant. Il y a des messieurs bombes aussi. J'ai même pas vu. Oh oui, dans les flammes, Bernard. Très bonne initiative, Bernard. Sacré Bernard. Ouais, super. J'ai jamais vu que, en fait, quand tu énervais un dieu,
Genre vraiment ça avait une influence sur le reste du combat. Tu m'emmerdes, non? Voilà, merci. Il m'a saoulé. Les casses font plus de dommages, ce qui a l'air assez fort. C'est quoi la Hunter Dash? Non, bof. Et la chattaque font plus de damage, mais elles font 0 damage maintenant. On va prendre les casts damage parce que on a pas mal de casts. Ça correspond pas au stuff que je voulais faire au début. Non, merci. Prendre les clés. Clairement, les clés, si le choix est offert, on ne prend jamais les crânes. Hein. Comment ils aiment pas. Oula. C'est tellement fort les casses là. C'est insane. Tellement mal, je dis oui moi. Poseidon, s'il y a le dash de l'eau, ça peut être insanément fort. Par contre ça m'emmerde, j'aime pas cette phase là. On fera avec mais j'aime pas. Casse, c'est vraiment pas dégueu dans notre cas là. Mais genre, il fait quoi là? Tu te calmes tout de suite, Bernard. C'est la foule concentration. Qui leur arrive à ces pauvres petits. Merci. Putain, enfer. Oh, jamais le bout, hein. Et Poseidon, sois avec moi, s'il te plaît. Ok. Ok, on va prendre ça. Allez, ça remplace quoi? C'est Stronger et Card Deflect. C'est pas ouf, hein. On va prendre ça, quoi. Ah ouais, c'est pas dégueu non plus. C'est mieux que ce que je pensais. Mais pas ouf, hein. Faudrait économiser de l'argent pour acheter autre chose, quoi. En vrai, jouer casse là, c'est vraiment pas dégueu. C'est ce qu'on va très certainement faire jusqu'à
jusqu'à la fin. Qui font énormément de dégâts en sortant. Les casts. Enfin, en sortant. Ils font du DPS en sortant, je crois. Ou alors c'est avec un truc qu'on avait chopé qui faisait du DPS. Ok, c'est gratuit. La petite popo. Alors, qu'est-ce qu'on a à proposer? Poseidon, nouveau, la dash attack, ce serait insane. Après, le max life, je vois vite fait. Clairement qu'on va à Poseidon. Oh non. On va fuir, hein. Clairement jouer comme ça, hein. Tentons lui mettre un peu de poison. Ils sont mes castes. Ils sont passés où? Mais ils ont perdu mes castes. Je sais pas. T'es perdu à vos fonds apparemment. En tout cas, un. Ouais, normalement, ils reviennent tout seuls, donc c'est ok. Soit une fois qu'on aura tué. La merde là. Ça ira un peu mieux. Ça passe. Easy. Ok, c'est vrai que la lave c'est vachement fort pour se débarrasser de ses merdes. C'est pas ce qu'on a eu juste avant ça. Prendre le pouvoir, hein. Power up. Verra ce qu'on nous offre. Mais il y aurait double shot, ce serait vachement fort, mais j'y crois pas trop. Elle a vraiment one shot par contre elle. Je vais crever avec mes 3 points de vie là. Je suis même pas pris un ennemi quoi. Je me suis pris la lave. Incroyable. On a eu les merdes. Au port de la mort. Oh, on peut leur envoyer leur merde là. C'est vraiment cool. Ah, ça qu'ils entendent par des flecs en fait. D'accord. Je viens de capter comment marchaient des flecs en fait. Power up. Ok, cast damage, clairement, c'est ça qu'on est en train de jouer. Clairement qu'on va au shop. J'ai pas regardé ma thune, mais clairement qu'on va au shop. On a combien de thunes? Oui, on a largement beaucoup de thunes. Tiens, on est obligé.
Putain, on a juste pas assez quoi. On va prendre le power up quand même. Casque qui peuvent déflect. Ok, ça c'est fort, on récupère plus vite nos castes. Très très rentable. Donc 3 pièces, y'a pas une petite pièce qui traîne là, qui pas un petit truc. Est-ce que lui il peut encore donner des trucs là? Sharon. Pourquoi tu veux donner des popos? Il est là, Popo, là? Non, il l'a pas donné. On lui a parlé. D'accord. Ah, mais dès qu'on est près d'un truc, le codex nous donne des infos. D'accord. Ça, c'est la saloperie, comment ça s'appelle. Voilà, l'hydre. Avec les casques, il y a moyen. Oh, il y a des trucs à thunes sur les côtés, j'avais jamais vu. Avec le double shot aussi. Insane. Pas besoin de plus. Hein. Ouais, il y a clairement moyen de se la taper là. Il y a un peu beaucoup de merde à gauche à droite là, ça m'emmerde quand même. Non mais il va falloir se calmer tout de suite sur le nombre de trucs là. Tellement dans la gueule. C'est que je fais énormément de dégâts sur des cibles fixes. Et là j'arrive pas à gérer le truc quoi. Éclairer un côté, c'est très bien. De ce côté clear pour clean un peu les ennemis tranquillou. Pour se mettre dans la lave si possible. Heureusement je me le prends lui. C'est vrai que ça va être le pire de toute façon.
Connard. Faites lui en moins une tête, s'il te plaît. Merci Bernard. Non, on va y arriver, Libre. Le problème, ça va être après. Parce qu'on aura perdu toutes nos défiances. Enfin, je pense que Libre, on va y arriver. Mais... pas encore sûr d'y arriver, hein. Garder le pouvoir pour le vrai boss. Il faut que je cherche mes merdes à l'autre bout de l'univers. Meurs du poison. Putain, on l'a eu. Je croyais que c'était moi qui étais mort. Oh, c'est long, hein, l'hydra. C'est putain de long. Et là, ça on prend. Peut-être tous les pots qui contiennent de l'argent. Il n'y en avait plus qu'un. Il y a de la bouffe dans ses crânes. Bon à savoir. On perd 5 crânes du cul. Et on se barre. Putain, nous y revoilà dans cette zone de l'enfer. Pas cette zone de l'enfer. Non, ouais. On se soigne déjà. On n'a plus de défiance. Ça, c'est par contre pas cool. Oui. Et oui. Tant pis pour la boîte. Hein. Et nous voilà dans la troisième zone. Yes. La zone qui nous intéresse. Ah là là. Elysium. On peut y arriver. We can do it. Faut du marteau du cul maintenant, là, ce serait good. Y'a rien là, c'est juste une lumière. Artemis, on joue cast. Mais full life, ça c'est bien. Je me rappelle un peu la gueule des ennemis. La dernière fois, on les arnaquait avec du dash. Là, c'est vrai qu'on joue cast, hein, je sais pas ce que je joue. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça à faire. Péter la gueule ces merdes après. Alors j'ai lancé mon cast en dehors et il est parti.
Est-ce qu'il en va revenir un jour? Et un monsieur Arc aussi. Monsieur Arc, je suis pas fan de monsieur Arc. Hein. C'est bon. C'est Stronga et nanana. Duo, c'est quoi duo? C'est la première fois qu'on voit ça. Alors ça c'est fort aussi. Ah mais c'est plus 3. C'est insane. Tu deflect. Ok, on va prendre ça parce que c'est vraiment plus 3. Oh putain, on a 6. Le cast incroyable du cul. Vraiment pas qu'on crève là, il y a moyen de faire une belle run. Oh oui, puis le marteau. Oh le marteau là, si on se chope un truc vraiment bien sur les castes. Tellement fort d'en avoir autant. Trop fort d'en avoir autant. Le plus 3 de max de mule là, insane. Je peux rien faire. C'est forcément pas fini quoi. Je vais faire un accueil un peu plus chaleureux. Hein. Ah! C'est pas cool par contre. Les hommes boucliers là, les connards boucliers. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok, spécial c'est non. Pour plus de mes sur les spéciales, c'est fort, mais on va prendre ça parce qu'on joue pas beaucoup spécial quoi. Ça c'est pas ouf, on va prendre les points de vie. Ça non, garder nos clés, je mets de la vie. Où est la suite? Ah, ici, max life parce que elle nous donne des trucs pas ouf, je trouve. Ils se prennent les vieilles flèches du cul là qui traînent partout, les cons. Je fais un truc apparemment. Oula! J'attends d'avoir encore des vieux fantômes nuls. Pas des monsieur bouclier. Il y en a encore un là-bas ou je le vois pas? Du bouclier là. Bouclier se protège. Connerman. Okay.
On a envie. Ça me tend. Le poison, ça peut être très fort aussi. Comme on l'a dit, ce dieu, je le trouve pas ouf. Donc let's go. Let's go, monsieur poison. En plus, c'est un monsieur poison qui brille. Quoi? Non, mais attendez. On a fait 3 salles. Ah, mais c'est pas le boss. C'est juste un mini-boss. Je croyais que c'était le boss de... Enfin, d'accord. Où il est tout seul. Seul, mais il est avec des vieilles têtes de méduse. Ah bon, je me prends 15 000 hits. Alors, les têtes de méduse, ça c'est pire idée, hein. Pire idée, élève. Ouais, si on tue le Minotaur ici, il va se tranquille. C'est quand que tu te calmes? Tu te prennes un truc? Ah, merci, hein. Connard de tête de méduse, à la con. Médusa, mais c'est pas grave, c'est pareil. Oh, c'est trop fort ça. Ça va pas. Oh non, on a mis 0 dégâts. On va jamais le terminer. Hein. Bah, quoi que, là, on l'a mis des DPS. On a ça aussi. Oubliez cette connerie. Pas l'air officiel contre lui, hein. Je trouve toujours les meilleurs, le pire moment pour décider de commencer à attaquer, j'ai l'impression. Trop dur à esquiver ça. Il va même pas le mettre midlife. Il y a tout qui part sur la vie. Le vieux crâne du cul, là. La vieille méduse du cul. J'aime pas ce boss. Ça va être encore pire quand il aura plus beaucoup de vie. Hein. Et moi aussi je peux te charger dessus mon gars. Le joueur il peut pas prendre de dégâts à ce moment là, c'est sérieux? Elle est vénère, hein. Mais tu sais, je suis bientôt mort, hein, il faut se calmer un peu. Ah, même les crânes, là, elle met 15 dégâts de plus avant de crever. Super. Fuck. On s'est fait dégommer la gueule, mais de façon tellement violente. Comme quoi, on avait un stuff boftière, hein. Il manquait le truc qui fait énormément de dégâts pour sortir des castes. Ce qui est dommage, mais une très belle run, deuxième fois qu'on atteint cette zone. Je vous fais des vidéos YouTube, je vous dis ciao ciao, à la prochaine, bye bye.